Le nom de l'habitation vient en référence au camp Jacob qui se situe à 200 mètres de l'habitation. Au XVIIe siècle, les jésuites avaient des terrains qui partaient donc de Palmiste jusqu'à Parnasse. Ensuite, au cours des siècles, le terrain s'est morcelé et donc en 1804, la famille Cabre a acheté cette propriété et a construit la maison sur cette terrasse qui devait dater déjà des jésuites puisqu'on présume que c'était sur une ligne de fortification. Déjà, on a commencé par la toiture et puis ensuite on s'est attaqué à l'intérieur et c'est au fur et à mesure des découvertes qu'on a avisées, qu'on a réfléchi. Bon, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps parce qu'on a fait ça nous-mêmes et qu'on n'est pas spécialement ni des architectes ni des bâtisseurs, donc ça a pris du temps. Sa fraîcheur, sa situation, parce qu'on est entre mer et montagne et puis il y a un calme qui est vraiment appréciable, qui est bastérien. C'est un symbole de l'architecture caribéenne parce que j'ai repris des éléments typiques pour moi de cette architecture, comme des petites persiennes, des petits carreaux, la couleur de la toiture et puis sa situation.